Bien le bonjour à tes plaisances et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bien logo jaune, bien boycott du référencement car aujourd'hui ça parle de rap et de Eric Zemmour. Ouais c'est possible, ça va bien se passer. On est en pleine dernière ligne droite de campagne présidentielle et j'avais envie de me donner le défi d'arriver à écrire une vidéo dessus. Mais moi je fais des vidéos de rap à la base, du coup pas facile. Alors après avoir mené l'investigation, j'ai trouvé un sujet bien rap, bien clash, bien affaires juridiques et tensions politiques. La cible sera aujourd'hui celui qu'on appelle le Z et on va voir pourquoi Eric Zemmour a la haine envers le rap, que s'est-il vraiment passé entre lui et un rappeur en 2009 pour que le rap l'ait frustré à vie? Quelles sont les stratégies appliquées par Zemmour pour imposer son discours face à des rappeurs et comment le battre? Et je vous mettrai un bonus en conclusion, toutes les punchlines sur lui qu'ont fait les rappeurs dans leur son. Ah oui, et je parlerai au conditionnel, hein, parce que bien que bon nombre de faits soient quand même très proches du réel, voire même vrai, vous avez compris, c'est pour éviter un procès. Hein. Sortez les pop-corn salés et cessez aussi, j'en profite, de regarder les vidéos sans être abonné parce que c'est pas bien. Allez! C'est pas bien, fallait pas le faire. Oh putain! Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Tout commence le 11 décembre 2008 quand Zemmour prononce ceci. On garde à l'esprit que tout ne se vaut pas. Et qu'il y a la culture, ça veut pas dire tout et n'importe quoi, qu'il y a une hiérarchie. Je pose la question. Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète et je pense au contraire que Yasmine Akara est un grand écrivain français. Ce à quoi le présentateur réplique en pensant qu'il s'agit là d'une rage liée à un nouvel essor culturel. C'est pas parce que le commerce utilise le rap que tout le rap est condamnable. Ce qui est premièrement intéressant à constater, c'est que lors de ce très court débat, Zemmour oppose le rap et sa pauvreté littéraire à un grand art, celui d'auteur de romans et d'essais, en nommant Yasmina Kadra comme étant lui un vrai artiste. Et cette référence n'est absolument pas là au hasard. Cette personne se nomme en réalité Mohamed Moulessoul, c'est un grand écrivain algérien reconnu dans le monde qui deviendra auteur après un fidèle service en tant que commandant dans l'armée nationale populaire d'Algérie. Pour ne pas partir en passionnant cours sur l'histoire de l'Algérie et s'égarer du sujet, disons que ce dernier représente pour Zemmour l'arabe exemplaire et je mets de grands guillemets autant par sa réussite que par ses paroles. Car en effet, après quelques lectures du pseudo-nommé Yasmina Kadra, on peut remarquer qu'il est très nostalgique d'une époque où Algériens et Pieds Noirs cohabitaient. Loin de là l'idée de dire que ce monsieur était pro-colonie française, mais simplement qu'il tient et diffuse des messages bienveillants, fraternels et aucunement haineux envers ces générations d'expatriés avec qui il a grandi. Et ça, Éric Zemmour ne peut qu'en jouir et laisser de côté son mécanisme de haine systématique puisqu'il est lui-même Pieds Noirs. Faire des références, oui, celle qui arrange, c'est mieux. Mais pourquoi je m'attarde là-dessus? En essayant de camoufler par la citation d'un étranger sa haine que l'on pourrait lui reprocher de xénophobe envers les rappeurs. Zemmour envoie des signaux implicites liés à un racisme encore plus extrême, un racisme totalitaire qui va au-delà de la généalogie. C'est-à-dire qu'il n'aime pas le rap, non pas parce que pour lui c'est littéralement de l'art d'un alphabet. Il ne l'aime pas parce que c'est un courant culturel qui domine de plus en plus en étant porté par des individus d'origine étrangère dont l'intellect, la classe sociale, le langage, les opinions politiques ne lui conviendraient pas. Ce n'est donc pas qu'une histoire d'Afrique ou pas Afrique, mais de tolérance basée sur des conditions à remplir pour que les faits et gestes de personnes d'origine étrangère soient acceptés par le Z. Un rebeu natif d'Algérie qui excelle dans un art aux origines gréco-latines dont les propos brossent le Z dans le sens du poil, oui, volontiers. Par contre, des Français d'origine étrangère qui écrivent à leur manière sur des problématiques en utilisant un style issu des ghettos états-uniens, non, c'est de l'analphabétisme sans intérêt. Et quand c'est fait par des ricains, c'est pareil. Je déteste le rap et le rap français comme le rap américain, je trouve ça sans intérêt, donc je vais pas vous vanter la qualité de votre musique. Le truc, c'est que le silence des principaux visés par le Z n'ont pas tardé à se briser, jusqu'à partir, pas plus tard qu'en 2009, très loin. Le 27 décembre 2008, Zemmour est face à Grand Corps Malade et Abdelmalik sur le plateau de On n'est pas couché. Alors que le premier fait ses éloges à Abdelmalik car subversif, bienveillant envers la France, avec son Dieu bénisse la France, qui lui a bien plu. Et moi je vous félicite. Ah ben merci beaucoup. Ce n'est absolument pas le cas pour notre cher slammer qui s'est fait déchiqueter. J'ai lu vos textes et alors là je vous avoue que contrairement à Ruki, je suis tombé de l'armoire. Parce que c'est un ramassis de rimes pauvres mais vraiment désespérantes. Dans le fond, c'est l'espèce de dissertation d'adolescent de quatrième avec le sentimentalisme qui va avec. Et ça n'a pas plu à notre cher national Youssoupha qui avait décidé dans un morceau de mars 2009 de revenir dessus de manière très forte. Chaque fois que ça pète,
tête, on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con brou, mais spirituel. Immédiatement, ça prend l'ampleur d'un buzz médiatique. Et alors que Zemmour tarde à réagir, il décide finalement de porter plainte pour injure publique et menace de crime à la rentrée 2009. Du coup, d'accord, très bien, menace de crime. Mais à quel égard, concrètement? Notre cher amoureux de littérature a-t-il bien compris les paroles de Youssoupha? Si oui, alors pourquoi avoir agi ainsi alors que le billet n'était pas mis sur sa tête? Parce qu'on lui tend la perche pour punir un rappeur. 14 septembre 2011, un procès est ouvert. Alors que la justice tarde à se faire parce que hashtag la justice c'est long, Youssoupha publie le titre Menace de mort pour s'exprimer sur toute l'affaire et la malhonnêteté derrière. Le 26 octobre de la même année, le tribunal correctionnel donne droit à Éric Zemmour et au-delà des sanctions financières qui s'élèvent à quelques milliers d'euros pour l'artiste et son label, Youssoupha est contraint de supprimer la parole dite litigieuse et doit veiller à ce que les plateformes qui l'ont upload fassent de même. Le truc, c'est que Youssoupha n'est pas raisonné à perdre ce procès. Il fera donc appel de cette décision et il gagnera ce dernier recours le 28 juin 2012. Voici la décision finale. Pour les juges, il n'y a eu ni diffamation ni injure publique et le passage incriminé n'excédait pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression artistique. Les magistrats ont conclu que Monsieur Zemmour, journaliste, chroniqueur et polémiste connu pour son sens pas toujours bienveillant de l'humour et de la formule, est un personnage public envers lequel une des plus grandes tolérances s'impose. La cour rappelle également que le rap est un style artistique permettant un recours possible à une certaine dose d'exagération. C'est une humiliation pour le Z. Lui qui haït le rap car représente tout ce qui ne va pas, s'incline face à lui publiquement. Et ça, ça n'a été que le long début d'une longue bataille mutuelle. Les extraits arrivent au prochain chapitre. Voilà plus de 10 ans que la guerre entre le Z et notre milieu a commencé sur les plateaux. Que ce soit MC Solar, Joestar, DC's ou encore Cool Chain, 50 Cent, bref, chacun en a pris pour sa poire et Zemmour n'a cessé de gagner les échanges. Alors comment un artiste pourrait réagir sans envenimer la situation et sans faire autre chose que de se taire face à un chroniqueur cultivé, lancé et préparé depuis des années? Quelles sont ses faiblesses? Bon, maintenant c'est un peu trop tard parce qu'il n'est plus chroniqueur, mais candidat à la présidentielle. Mais imaginons que un jour, de nouveau, on puisse lui faire face sur ce sujet. La stratégie de Zemmour pour rabaisser ses interlocuteurs artistes passe par plusieurs étapes et il est primordial de la comprendre pour en trouver la faille. La voici après visionnage de plusieurs heures d'émission. D'abord, le Z va venir piquer en une à deux phrases maximum son interlocuteur pour lui rappeler qu'il reste fidèle à sa réputation et qu'il ne va pas y aller de main morte sur la critique. Non mais je me suis payé double peine moi. Alors, j'ai écouté et après j'ai lu. Ça commence bien. Écoutez, son but est d'enclencher la première étape de l'ascenseur émotionnel qui est l'intimidation, dont il ne tardera pas d'effacer de lui-même pour apaiser une nervosité néchante chez l'artiste et éviter toute accusation d'attaque personnelle. Je vous trouve très sympathique, évidemment. Vous êtes déjà venu et je continue à vous trouver très sympathique, mais j'ai rien contre vous particulièrement. Ce qui m'intéresse davantage... En faisant ça, il se protège de quelconque confusion, dicte le cadre du débat et se donne une puissance pour mieux fracasser dans les 3 secondes l'artiste auprès duquel il venait pourtant tout juste d'émettre une éloge liée à sa personne. Ça, vous me rassurez pas. J'ai eu plusieurs académies. Ça prouve bien que le niveau s'effondre à l'école. Ouais, peut-être. Déstabilisé, car ne sait finalement plus à quelle sauce il va être cuisiné juste après, son interlocuteur n'a d'autre choix que de rester dans sa confusion et de le laisser déblatérer son discours sur le hip-hop. Et si l'artiste vient à exprimer son désaccord pour sa défense, ah non, pourquoi se défendre? C'est pas agressif, c'est juste ce qu'il pense, vous dirait-il. Et là, c'est le bouton d'arrêt d'urgence de ce fameux ascenseur émotionnel. Zemmour bloque toute répartie en prenant sa liberté de penser. Il a donc le droit d'avoir un avis sur un sujet porté par un invité, mais ce dernier ne peut répliquer sérieusement sur ce terrain sans briser son droit sous peine d'être accusé de bafoueur d'une liberté fondamentale. Alors qu'en vrai, si, en plus, t'as le droit de discuter d'un avis par des faits contraires. Mais après avoir été malmené comme il l'a fait, ben honnêtement, oui, je comprends que ça puisse être compliqué de rebondir. Il est malin l'enfoiré, merde, procès, oh là là. Ce qu'on peut remarquer au travers des débats, c'est qu'ils se ressemblent tous et quand sa stratégie opère, la chronique est soit vite finie, donc il n'y a plus le temps de contredire qui que ce soit, soit il a passé 80% du temps à parler de rap en lui-même, en répétant les mêmes choses et s'appuyant sur au maximum 2-3 arguments liés à l'artiste. Et c'est tout. Mais regardons ensemble de très bons face-à-face qu'ont eu 50 Cent et Cool Chain avec lui. En pleine promo en France, 50 est face au Z en novembre 2009. Là où 50 se démarque directement, c'est qu'il a été préparé et va immédiatement bloquer la première étape du processus Zemmour en posant avec humour la première brique
du versus lui-même. On m'a dit que vous étiez un dur, vous. Ouais. Il montre à Zemmour qu'il ne lui fait pas peur et qu'il n'est pas là pour se prendre la tête. Et quand vient le moment où le Z essaye de récupérer la main en imposant son schéma, 50 pose un leurre coopératif par son langage verbal et non verbal pour lui mettre une petite tatane derrière la tête. Tout le monde a droit à avoir son avis. Merci. Bravo, bravo. Pas tu, mais bon, maintenant tu l'as fait, mon pote. Le coup de grâce interviendra sur le terrain du sérieux quelques secondes plus tard lorsque 50 jouera aux politiques. Non, vous avez tout à fait raison, Eric. C'est vrai qu'il y a une différence énorme. Il y a différentes opportunités qui s'offrent à nous. Il faut vraiment savoir les saisir. Il n'aura donc fallu que de deux pics aux odeurs d'un humour méprisant ainsi que d'une raison octroyée pour montrer aux Z qui est le prédateur dans la cage et dicter le rythme du discours. Pour autant, détrompons-nous, Zemmour n'a pas perdu. Il a juste rangé son arrogant charisme de critique pour obtenir ce qu'il voulait entendre de manière simplement plus calme et attentive. Je continue. J'ai une première question, c'est est-ce que le monde de la mafia investit dans le rap. Là où il s'est fait croquer, par contre, c'est ici avec Kool Chain. En quoi les Rolling Stones, c'est vraiment une culture et qui représente vraiment quelque chose de supérieur pas du tout. Au rap, par exemple. Je pense pas du tout que ça soit supérieur. Au rap? Ah oui, c'est pas supérieur. Ah, c'est une sous-culture, mais j'adore, c'est tout. Mais moi, j'ai le droit d'aimer des sous-cultures. Hein. Je vous ai interdit. Vous avez eu la chance d'avoir une passion qui a été la littérature. J'adore le foot aussi, hein, je vous assure. D'accord, mais même le foot, en tous les cas, une passion. Absolument. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, est-ce qu'on doit blâmer les gens qui n'ont pas de passion, par exemple? Non. Non, non c'est comme ça. Des fois, on ne trouve pas spécialement sa voix. Quand on n'a pas de passion et que peut-être on n'a pas la chance d'être bon à l'école, ça arrive aussi, parce qu'intellectuellement, on est peut-être moins armé, et ben ça devient compliqué. Le face-à-face qui avait mal commencé, disons-le, pour le rappeur, c'est finalement conclu sur la contrainte de changer de sujet pour le Z qui s'est vu glisser dans l'entonnoir établi délicieusement par Kool Chain. Peu importe les avis politiques, on ne peut nier une chose, c'est que le Z est un très bon débatteur entraîné et lancé de loin à chaque fois. Pour le vaincre sur son terrain, il est donc bon de s'inspirer des échanges qu'il a pu avoir avec 50 Cent ou Kool Chain, mais surtout d'un dont je n'ai pas parlé, celui avec La Fouine en 2011. Celui que l'on nommait Fouine Babe n'était absolument pas réceptif au cadre imposé par le Z et il a bien fait danser dans tous les sens. T'as sûrement écouté du rock pendant ton enfance. Ah oui. D'accord. Des fois, il y avait des propos hardcore. Tout à fait. T'es quand même le mec cultivé qui est devant moi. Tout le monde. Non, sérieusement. Avant de venir ici, non, tout le monde m'a envoyé tout plein de textos. Fais attention, t'as Eric Zemmour en face de toi. Je leur ai dit, mais moi et Zemmour, on vit dans deux mondes différents, mais on peut s'entendre, ma gueule. Mais je suis d'accord. Ok. Ajouter à cela un petit peu voilà, de mise en avant de la culture française en chantant du Brel, et limite, il lui demande un autographe à la fin. Hein. Dans cette chambre sans berceau, les éclats des vieilles tempêtes. Pendant plus de 10 ans, le Z a maintenu l'attention avec le rap game. Et je pense que tout s'est passé comme il le voulait. D'abord, il a trouvé un moyen pour facilement faire du bruit auprès des jeunes d'un milieu en pleine effervescence, donc intensément augmenter sa popularité, notamment chez les jeunes qui s'indignaient par milliers sur les réseaux. Un bad buzz est un buzz. En plaçant les rappeurs sur les premières lignes de ses principaux rivaux, il a établi avec eux un lien d'aigreur impulsif qui s'est répété sur les générations d'artistes. Là où il a grandement gagné, c'est que ses fameux rivaux sont devenus d'importants influenceurs aux millions d'abonnés au fil du temps, aux divers publics larges, et qu'à chaque réaction qu'un rappeur comme par exemple Booba peut lui faire sur un de ses propos concernant l'islam par exemple, il lui accorde immédiatement une promotion gargantuesque. Bizarrement, depuis 2018 et l'extrait qui arrive, plus rien à ce sujet. Je maintiens que c'est un sous-art et je maintiens que c'est nul. Si ça vous plaît pas, c'est le même prix, j'ai le droit de dire que c'est nul. Ah si, une vague citation sur CNews en 2020. Mais alors pourquoi le rap ne revient plus dans ses citations, dans ses problématiques? Les émissions ayant changé, évolué, s'étant arrêtées et puis même lui ayant changé d'objectif de carrière, il n'a tout simplement plus l'occasion de faire face aux artistes depuis un moment. Et c'est tout. Mais même s'il avait l'opportunité, il ne le ferait plus. Pourquoi ? Aujourd'hui, n'importe qui est auditeur de rap, ce n'est plus du tout la même communauté de niche qu'au début. Notre cher Zemmour, préparant sa campagne présidentielle depuis des années, ne pouvait certainement pas commettre l'erreur de se priver d'un tel électorat. Car autant à l'époque, c'était un très beau combo politique pour la droite de taper sur l'islam, les banlieues, les étrangers et le rap. Autant en 2022, taper sur tout ça plus le rap pourrait lui faire perdre des votes auprès d'un public initialement d'accord avec tous ses autres propos, car jugeant ce qui les passionne. Le rap. J'espère que vous aurez appris tout en vous divertissant devant cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet, peut-être d'ici 15 jours maximum, sur la TPZence. Car vivre c'est mourir, je veux plus voir maman pleurer, je veux plus jamais voir Zemmour rire. Quoi ? Je le jure sur la tête d'Éric Zemmour. Certains sur des forums lâchent des messages d'amour. Je connaissais comme Éric Zemmour. Pendant que t'étais bête en cours, j'étais dans le four, je faisais des sous comme étant court. Là, je prends encore.
Zemmour asperge et descend, et tu perds ton briquet. Tu dis à cet enculé Zemmour de se pendre. Christine Angot, ferme ta gueule, mets le 11. Je voudrais sortir la chaise pour Zemmour et BHL. Même sans billets, tant j'ai des pièces, ça va. C'est plus sauvage qu'en pleine savane. Faut plus de bruit que les propos insupportables de Zemmour. Comme Rosa, fais pas le con comme Zemmour. Traitant le rap de Souza. Enfant de la patrice, y'a bagarre, j'suis de la partie. Pourquoi on censure Dieu ton aimé? On laisse parler d'Éric Zemmour. Je vois que des policiers analphabètes. Pas que des arabes et des noirs en prison. J'aimerais répondre à ce fils de pute de Zemmour, mais il a raison.